Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous. Mon nom est Zachary Georges et je suis modérateur pour le KCFF 2022. Aujourd'hui avec moi, j'ai Sébastien Pilote, réalisateur du film Maria Chapdelaine qui est présenté au KCFF 2022 cette année. Si vous avez eu la chance de voir le film, merci, on espère que vous avez apprécié. Et si vous n'avez pas encore eu la chance de le voir, on vous invite à visiter la plateforme digitale du KCFF pour obtenir un billet. Bonjour Sébastien, ça va bien? Oui. Génial, merci beaucoup de te joindre à nous ce soir. C'est un plaisir de te rencontrer. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai beaucoup apprécié le film, surtout au niveau visuel. J'ai trouvé que c'était un film magnifique. Il y a beaucoup de belles scènes du Québec et du terroir québécois. J'ai beaucoup apprécié. J'ai entendu dans une entrevue une discussion par rapport à ta collaboration avec le directeur de la photographie avec qui tu as travaillé depuis plusieurs films. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus sur cette collaboration-là? En fait, j'ai tourné tous mes films, tous mes longs métrages avec Michel Laveau. Donc, c'est vraiment pas notre première collaboration. Je trouve ça intéressant parce que, évidemment, je pense qu'après 4 films, il y a une espèce de langage où il y a une espèce de communication qui s'est installée entre nous. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de se dire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que, bon, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup l'histoire du cinéma, qui connaît à fond aussi l'histoire du cinéma québécois, qui a eu un lien avec les anciens cinéastes. Je pourrais dire que ce serait un peu comme quelqu'un qui me permet d'avoir un lien avec des cinéastes d'autrefois du Québec. Je pense à Michel Brault, Perrault et tout ça. C'est quelqu'un qui aussi qui fait exclusivement du cinéma. Puis qui vient aussi de l'école documentaire. Fait que c'est un cinéaste, directeur de la photographie que j'apprécie beaucoup. Ouais. Génial. Maria Chapdelaine, c'est aussi un livre à la base, un roman de Louis Aymon. Moi, je ne viens pas d'une génération qui connaît très bien le roman original. Je n'ai pas eu la chance de voir les autres adaptations non plus de films-là. Je suis curieux de savoir s'il y a eu des réactions différentes des publics qui connaissaient déjà l'histoire de Maria Chapdelaine et ceux qui ne la connaissaient pas déjà. Mm-hmm. Évidemment, le roman est archi connu. Évidemment, il est très connu au Québec. Mais c'est un roman qui a voyagé, qui a circulé énormément, là, je dirais, depuis le début du siècle, même à l'étranger, que ce soit en France, un peu partout. C'est un roman qui a été traduit dans des dizaines de langues, qui a été vendu, je dirais, c'est des millions d'exemplaires qui ont été vendus. Donc, c'est considéré comme un des premiers best-sellers, même. Fait que c'est vraiment un roman, oui, c'est quelque chose qui est devenu un peu comme un mythe. Même le personnage de Maria Chapdelaine a acquis le caractère d'un mythe. Au Québec, lorsqu'on parle, on peut même parler d'une personne, une espèce de Maria Chapdelaine, où les personnages sont devenus un peu des archétypes. Fait qu'évidemment, de travailler avec le roman de Louis Aymon, qui est très connu comme ça, même, bon, il y a eu 3 films. Un film québécois, celui de Gilles Carle, et un film en 1936 avec Jean Gabin, Madeleine Renaud, un film qui est du Vivier, puis un film dans les années 50 avec Michel Morgan. Donc, travailler avec ça, c'est un peu comme travailler, je dirais, faire un film de genre. Fait que c'est travailler avec des codes, avec une espèce de langage que les gens connaissent. Mais en même temps, c'est à la fois un problème et quelque chose d'excitant, je dirais. C'est certain que j'avais en tête, en écrivant le scénario, que les gens connaissaient déjà l'histoire. Par exemple, bon, l'histoire d'amour avec François Paradis et tout ça. Mais je me suis aperçu aussi, c'est que les gens souvent ont des idées erronées par rapport au roman. Par exemple, on croit souvent, j'entends dire les gens, bon, j'ai hâte de voir François Paradis se perdre dans la neige, dans la tempête. C'est des choses qui ne sont pas dans le roman. Les gens, ils peuvent, c'est ça, c'est, parfois, c'est que l'imaginaire, comment dire, a poussé, a grandi, oui. Puis ça s'est transformé. Moi, c'est évidemment, il y a des gens qui ont réagi, qui me disent, bon, encore une vieille histoire, pourquoi qu'on ne choisisse pas des sujets originaux? Mais pour moi, ça, c'est un faux problème, dans le sens que quand on fait du cinéma, ce qui est intéressant, c'est comment on raconte l'histoire, plutôt que, est-ce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on va apprendre des choses d'abord? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans? Pour moi, tout ça, c'est un prétexte à faire du cinéma. Et je trouvais que l'histoire de Maria Chapdelaine me permettait, c'était un prétexte, de raconter l'histoire un peu... L'histoire de ma famille, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le roman qui me font penser à des trucs que je dirais plus biographiques, en tout cas par rapport à l'histoire de mon arrière-grand-père, l'histoire de ma mère.
Il y a beaucoup d'éléments qui me rappellent des personnages de ma famille. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de pouvoir parler de moi d'une manière comme ça, je dirais, par la bande. Oui, puis je pense que, si je ne me trompe pas, tu es aussi originaire du Lac-Saint-Jean, puis c'est là d'où le film prend place. Qu'est-ce que ça signifie? Là, tu parles déjà un peu de la relation que le film a avec les histoires familiales. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de pouvoir représenter ces histoires-là qui étaient assez communes au niveau des années 1910 et tout ça? Oui, c'est un territoire que je connais bien. J'habite toujours le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est évidemment, quand on lit le roman, quand on pense aux veillées, aux soirées autour quand les gens jouent aux cartes autour de la table, c'est toutes des choses qui me rappellent beaucoup les années 70, là, quand j'étais tout petit, chez mon grand-père, des veillées comme ça avec la musique traditionnelle, c'est des choses que j'ai vécues, dans le fond. Fait qu'évidemment, c'était ça, je trouvais ça intéressant. Par rapport à ma mère, a dû faire des choix un peu qui ressemblent à ceux de Maria Chapdelaine. Elle a été obligée d'arrêter l'école très jeune pour s'occuper de ses frères et sœurs. C'était une famille de 12 enfants. Donc, elle a vraiment aidé ses parents. C'est une famille très pauvre qui vivait très loin du village, qui était lui-même reculé de la grande ville. Fait que c'était très, très reculé. Un peu comme une maison voyagée dans le temps, je dirais, la maison de chez ma mère quand j'étais petit, de ma grand-mère, en fait. Fait que pour moi, il y a un paquet de sujets là-dedans qui sont universels, que ce soit la question du devoir, de la liberté. Est-ce que Maria est réellement libre? Est-ce que Maria, c'est quoi la notion du devoir aujourd'hui? On peut penser que le devoir, c'est la contrainte de l'extérieur ou c'est la contrainte de la société ou de la famille ou de ta classe sociale. Alors que quand on étudie un peu la philosophie, la question du devoir, ce qui est intéressant, est étroitement lié à la liberté. C'est quelque chose qui est comme plutôt, je dirais, la contrainte de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Je parle à des jeunes, quand on parle de devoir, on dirait que c'est quelque chose de « Ah non, mais tu vas rien m'imposer. » Alors que je trouve que chez Maria Chapdelaine, il y a un petit peu ça. Ça me fait penser beaucoup à ma mère ou à certains anciens. C'est que parfois, c'est que le sens du devoir venait vraiment de l'intérieur. On n'a pas besoin de leur dire quoi faire pour qu'ils le sachent. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Okay. Ça me permettait de parler de mille choses là, qui me tiennent à cœur, de me rapprocher au niveau formel du western classique américain, de faire un film qui a une facture plus classique aussi. J'aime beaucoup le classicisme. Fait que c'est de revenir à quelque chose de très simple et de prendre le temps pour raconter cette histoire-là, qui n'est pas tout à fait une chronique, mais presque, mais qui est vraiment un feuilleton aussi. J'aime le voir comme un feuilleton. Fait que je voulais donner un peu au film, je dirais, l'apparence d'un feuilleton. Et prendre le temps pour raconter cette histoire-là, qui est très simple, entre autres, qui paraît très simple. Génial. Merci beaucoup. Justement, tu parlais de Maria, puis de son parcours un peu. C'est pas un personnage qui parle énormément au cours du film, mais son langage corporel et ses décisions font avancer le film au cours de la cadence. Quelles sont les discussions qu'il y a eues lors de la réadaptation du scénario pour amener Maria Chapdelaine en 2021 tout en gardant son essence de 1910? Certain que quand on lit le scénario puis on s'aperçoit que Maria parle relativement peu, on peut se dire bon, ça va faire d'elle un personnage qui est par rapport avec les yeux, les regards d'aujourd'hui, on peut penser que c'est un personnage qui serait faible pour ces raisons-là. Il y a certainement des gens qui pensent ça. Mais pour moi, c'est pas les gens qui parlent beaucoup, ce n'est pas des gens plus forts que ceux-là qui parlent peu. Je pense que c'est pas parce qu'on. Il y a des personnages autour d'elle, par exemple, comme on pense à Edwidge Légaré, qui est l'homme engagé de la famille, qui parle beaucoup, oui. Qui prend beaucoup de place dans une assemblée, disons. Mais ça ne veut pas dire qu'il en dit plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu trompeur. On ne mesure pas l'importance d'un personnage au cinéma, contrairement au théâtre, je dirais, ou à la télévision, au nombre de lignes qu'il dit. Ça, c'est pour moi, c'est important. Et j'aime les taiseux. Dans mes films précédents, Le démantèlement, Le vendeur, en tout cas, surtout Le démantèlement, j'avais des personnages un peu comme ça, des taiseux, des gens qui parlent peu. Dans ce cas-là, c'était des hommes. On ne revenait pas là-dessus, mais quand c'est une femme qui parle peu, on peut penser que c'est parce qu'elle est faible ou soumise. Mais pour moi, c'est pas du tout c'est pas ça. Je pense que les silences de Maria viennent plutôt du fait qu'elle est, je pense, une jeune fille de 16-17 ans qui est entourée d'adultes, qui est entourée de garçons qui ont 23, 24, 25 ans. Fait que c'est normal, je pense que l'étiquette paysanne,
ce qu'on appelle l'étiquette paysanne faisait en sorte que les gens, par respect ou par une forme de noblesse, avaient l'habitude de parler, de ne pas parler pour rien, finalement. Mm-hmm. Et il n'y a absolument rien que je voulais dire qu'elle ne dit pas. Malgré le fait qu'elle a peu de dialogue, je n'avais pas besoin de lui en faire dire plus parce que j'arrivais autrement à faire parler Maria autrement. Parce que Maria est très, très liée à la nature, on pourrait dire. Et pour moi, souvent, si on est attentif, la nature autour d'elle, le paysage, s'exprime pour elle. En tout cas, pour parler de son intériorité, j'ai beaucoup utilisé le territoire ou le paysage autour d'elle. Bon, est-ce que les fleurs sont en bourgeon? Est-ce que c'est l'été? C'est le printemps? Ça peut parler de... Bon, c'est son état intérieur. Alors que quand tout est gelé, la chute d'eau est gelée, glacée, bon, c'est son état intérieur, encore une fois. Fait que j'avais pas besoin de... Si on est attentif, si on lit le cinéma, je pense que je préférais m'exprimer de cette manière-là. Absolument. C'est bien, oui. Puis, si je ne me trompe pas, l'actrice qui jouait Maria Chapdelaine aussi, c'est son première expérience au cinéma. J'ai un bon nom pour son famille, mais Sarah. Sarah Monpetit. Sarah Monpetit, génial. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce travail aussi avec Sarah dans son première expérience en film? Je dirais que j'ai travaillé un peu dans le sens de. Comment dire? C'est un jeu d'acteur que je voulais garder très près d'elle. Donc, c'est une actrice qui n'avait pas d'expérience. Sarah n'avait pas d'expérience au cinéma avant de tourner sur Maria Chapdelaine. Et ça, pour moi, c'est important. Je voulais l'entourer d'acteurs professionnels qui ont fait beaucoup de théâtre, qui ont fait des études en théâtre ou en jeu. Mais elle, j'aimais bien l'idée que ce soit son premier rôle, que les gens ne puissent pas la connaître. Ce n'est pas une vedette de la télévision. Et d'aller chercher ce genre de jeu-là qui est très, je dirais, très naturel, très bressonien. Je pense à Robert Bresson, le cinéaste. Et pour moi, c'est comme une sorte de mouchette où je voulais une actrice comme ça qui avec un jeu qui est plutôt mécanique ou qui est plutôt très physique ou très parfois plastique avec, par rapport, c'est très graphique. Je voulais qu'elle s'exprime comme ça, je dirais, plus avec parfois le regard ou les silences. Et travailler avec Sarah, finalement, elle s'est montrée très professionnelle. J'ai choisi quelqu'un parce qu'elle n'était pas professionnelle. Finalement, après 2 jours de tournage, elle avait déjà acquis des réflexes de quelqu'un qu'on dirait qu'elle avait fait 10 films. Oh. Et pour moi, c'est ça. Ce que j'aimais beaucoup chez Sarah, d'abord, je dirais ce que j'ai remarqué tout de suite en la voyant la première fois, c'était son port de tête, sa manière de se tenir le coup. Un peu comme une danseuse. Ses parents sont des professeurs de danse, de tango. Et il y avait comme un port de tête, une manière de se tenir droite que j'aimais. Et je dirais que c'est ça qui m'a charmé d'abord. Et après ça, j'aimais beaucoup sa présence, puis sa fragilité. Puis il semblait qu'elle avait une belle intériorité. J'ai beaucoup apprécié de la voir à l'écran. Puis son jeu au sein du film était vraiment génial. Merci pour cette réponse. Puis avant de se laisser, Sébastien, j'ai envie de te laisser la place pour parler peut-être d'un aspect spécifique de la production ou du film ou de la réception du film que tu n'as pas peut-être eu la chance d'aborder encore. Bien, c'est un film qui a été difficile à tourner parce que déjà, c'est un film avec le budget qu'on avait, qui est quand même un gros budget, mais c'est relativement peu là, lorsqu'on sait qu'on devait tourner sur 2 saisons. En très peu de jours de tournage, alors que j'avais un gros scénario avec les animaux. En permanence, j'avais au moins 7 acteurs, toujours en permanence avec des enfants et avec les tempêtes de neige et tout ça. Fait que c'est un film qui est arrivé, en fait, c'est le COVID est arrivé à travers ça. Fait qu'on a tourné en pleine pandémie. On était les premiers à tourner au Québec là, avec les nouvelles mesures, les protocoles. Fait que c'est un film qui a été difficile à mettre au monde, je dirais. C'est un film qui a été difficile à sortir parce qu'on a réussi à trouver la fenêtre, la petite fenêtre à l'automne 2021 pour pouvoir sortir le film. Évidemment, ce n'est pas un film qui a connu, je dirais, ce qu'on aurait pu lui souhaiter, disons une sortie normale et tout ça. J'aurais aimé que les gens puissent connaître une première avec 1000 personnes et tout ça. Fait que le film est quand même connu un succès au box-office au Québec, mais c'est pas le... On ne saura jamais s'il n'y avait pas eu la pandémie, qu'est-ce qui serait arrivé. Parce que les salles étaient à 50%, etc. Évidemment, c'est un drôle de... J'ai de la misère. J'ai un peu perdu mes repères comme cinéaste après avoir... C'est mon 4e film.
on a un peu perdu nos repères, on voyage moins avec les films et tout. Fait que c'est, mais c'est un film, finalement, je suis content qu'il soit sorti, qu'il soit disponible. Mais je dirais que mon petit regret, un peu, c'est que le film, que les gens ne puissent pas le voir sur le grand écran parce qu'on a tourné le film en 4K. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent du IMAX ou du 70 mm. Avec ce qu'on appelle le large format, fait que c'est avec des lentilles vraiment spéciales, différentes. Fait que c'est juste un film qui était, pour moi, c'était de montrer les paysages. Tu sais, il y a deux formes de paysages, les regards, les gros plans, mais aussi les plans larges. Et je souhaiterais que les gens puissent, tout le monde puisse voir le film sur grand écran parce que ce n'est pas le même film. Et aujourd'hui, on vit beaucoup dans un monde, on navigue dans un monde où est-ce que les gens voient les films sur les ordinateurs et sur les Ouais, pour la petites première télés. fois. Fait qu'on perd un peu le contrôle je dirais, de la qualité. C'est ça. En même temps, je suis très, très content que le film. Parce qu'il y a des films qui ont été repoussés, qui sont toujours pas sortis. Je suis très content d'avoir pu sortir le film. Je suis très heureux qu'il soit dans un festival comme le vôtre. En souhaitant qu'un jour les gens puissent le voir sur grand écran. Je le souhaite énormément à beaucoup de gens. J'imagine que c'est une expérience très différente que de regarder sur un ordinateur. Mais Pour tous les films, en oui, général, pour tous les films. Ouais. c'est ça. Génial. Mais merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été présent avec nous ce soir. C'est extrêmement apprécié. Et je Ben, remercie merci à tout vous. le monde qui... Merci. Je remercie tout le monde aussi qui est avec nous aujourd'hui. Le KCFF est du 3 au 13 mars 2022. Assurez-vous d'aller voir Maria Chapdelaine qui sera disponible jusqu'au 13 mars prochain. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.